Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. Alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, piétinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigée en mode de gestion par excellence, choses somme toutes qui ont favorisé le détournement des deniers publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné des morts et des déplacés. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains accords justifiant la présence des troupes françaises au Niger ainsi que des accords léonins. Cette dynamique nous a amenés à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que, grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire. C'est ça que la vérité. Illustratif. Je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leurs villages, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de 2 ans du fait de l'insécurité dans la région de Tillabéri, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la quiétude sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Le changement des régimes. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre, où les Africains vivront une vraie indépendance. De ça que la vérité. Changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a engendré un élan patriotique sans précédent. Expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Jamais dans l'histoire récente de notre pays,
un événement n'aura reçu une telle adhésion populaire spontanée et massive comme celui du 26 juillet 2023. Assurément, ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau, fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. Ça, c'est la vérité. Ce désir ardent, les populations l'ont traduit dans nos langues nationales en des termes clairs. Zanchang Asani, Labusanino. Permettez-moi à ce stade de saluer la résilience extraordinaire du peuple nigérien. Un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spoliée par des Nigériens véreux et leurs complices. En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, voilà. La CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant des grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. Inch'Allah. L'heure des tractations et des combines dans les officines est révolue. C'est ça, Gabriel. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Alors, nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Tous unis pour la sauvegarde de notre patrie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Ces assises seront bientôt convoquées. Dans cette lancée, j'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition et élaboré des missions précises pour les membres du gouvernement que nous allons rendre public de cette semaine. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, au plan de la mobilisation sociale et de la sécurité, un compte dénommé Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été créé pour la mobilisation des ressources, le financement des appuis au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ainsi que la prise en charge des victimes de ce fléau. Je tiens à remercier le peuple nigérien et le comité de gestion de ce fonds pour leur engagement dans cette mobilisation. Au plan de la justice sociale et de la restauration de l'État et du peuple dans ses droits, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF est à pied d'œuvre pour instruire tous les dossiers relevant de sa compétence. J'engage ses membres, au demeurant sous serment, à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux par la nation. Pour ma part, je réitère mon engagement, celui du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, de ne couvrir personne et de prêter main forte à cette institution pour surmonter toute entrave.
car le fléau généralisé de la corruption est l'une des causes qui nous ont conduits à prendre nos responsabilités pour mettre fin au régime que vous connaissez. Alors, nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits. Pas de répit, ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l'État. Nous avons instruit la Coldef à travailler en toute transparence, tout en respectant les droits des uns et des autres. La campagne agricole et pastorale de cette année n'a pas répondu totalement aux attentes de nos laborieuses populations. En pareille circonstance, l'État prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la coopération multiforme avec certains pays amis, notre pays dispose suffisamment de produits alimentaires accessibles sur le marché, et cela en dépit du blocus barbare de la CEDEAO et de l'UEMO. Je salue cette marque de solidarité des gouvernements de la Guinée, du Tchad, de l'Algérie, du Maroc, de la Guinée équatoriale et tous les autres pays amis qui nous ont apporté leur soutien. Une mention spéciale pour la République sœur du Togo qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir avec engagement et constante disponibilité, ainsi que tous les peuples frères qui nous accompagnent en ces moments difficiles. Pour ma part, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès, la sécurité, le développement et la cohésion sociale dans notre pays. Je sais pouvoir compter sur la contribution et la participation active de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Comme on le voit ce matin. Camarades d'Afrique, vous avez écouté Tchani. Il dit, l'UEP, IP, Assimi Goïta, ils vont tout faire pour que l'Afrique, il n'a pas dit les trois pays seulement, l'Afrique, les pays africains soient souverains. Non seulement les trois pays doivent être souverains, mais les pays africains aussi seront souverains. Ah, ces paroles, hein. Le temps des tractations dans les chancelleries est révolu. Maintenant, là, tu ne veux pas, tu t'en vas. Tu veux, tu restes. Et tu ne donnes pas pardon. Non, comment, banan. Et ici, à ce moment de mon propos, je voudrais aussi apporter ma compassion au peuple guinéen et au président guinéen qui a perdu des personnes, des citoyens guinéens, suite à l'explosion d'une centrale autant pour moi, de carburant, je pense. D'une centrale de stockage de carburant. Voilà. D'une centrale de stockage de carburant. Ça a pris feu, je pense, avant-hier. Et ça a gêné beaucoup de choses en Guinée-Conakry. Vraiment, il y a eu des pertes en vie humaine. Vraiment, je lui apporte mon soutien et ma compassion. Voilà. Vous avez entendu, Pierre Djaïa a dit, la Guinée les a soutenus. La Guinée les a aidés. Voilà. Et Fon Yassimé aussi les a aidés. Je le disais, quand nous avons dit dès le départ que le Togo s'est désolidarisé de la CEDEAO, les gens ont dit non, c'est faux. Voilà la vérité. Le couloir humanitaire, le Togo a mis en place un couloir humanitaire pour aider le Niger. Ça passe par le Burkina Faso, puis ça rentre au Niger. Et ce couloir est sécurisé entre le Togo et le Burkina Faso par les Burkinabés.
Ce couloir est sécurisé à la sortie par les Nigériens et les Burkinabés aussi. Ibé a affecté des éléments à ça. Qu'à ça! Qu'à ça! L'Algérie a fait quelque chose, le Maroc a fait ce qu'il voulait, le Tchad a fait ce qu'il pouvait aussi. Mais vraiment, félicitations au président Tchani. Tu sens que c'est un lion qui rugit quand il parle d'Assediao. Tu sens que c'est un lion qui rugit. Non, Romagne. Ça, il va même pas mettre cadeau à qui que ce soit. C'est devant Dougou. Claire. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tout le plan panafricain. Babou, président de la République 2025. N'oubliez pas, le samedi 23. Samedi 23 décembre. Samedi prochain, là. Métro Château Rouge. On va manifester contre ce qui se passe au Sénégal. Contre ce qui se passe à Guinée-Bissau. Contre ce qui se passe au Congo. Et même d'ailleurs partout en Afrique. Voilà. Chers camarades d'Afrique, partagez encore. On est ensemble.